Bonjour à toutes et à tous les amis, nous sommes au samedi 21 septembre 2024, au moment où nous parlons actualité footballistique sur le continent africain avec les officiels du jour, sans oublier les premiers résultats des coupes continentales sur le continent africain. On ira en Europe également, en English Premier League avec ce choc qui arrive dimanche à partir de 15h30. Bah oui, tout de suite, trêve de parole, j'y vais rapidement avec ce transfert. Yasser Baldé à la relance au Raja de Casablanca. C'est nos confrères de guinéfoot.info qui nous signent l'information. À 31 ans, l'ancien du Stade Lavallois découvre donc le championnat maghrébin. Le défenseur central international guinéen aux 4 sélections d'origine marocaine a donc choisi de rejoindre le Maroc, son premier club africain, après une carrière exclusivement effectuée en France, Auxerre, Fréjus, Saint-Raphaël, Andoum, Sedan, Cholet et Laval. Alors nous allons quitter la Guinée pour mettre le cap sur le Bénin. Les 229 Foot.com nous font découvrir justement une jeune pépite. Bah oui, lui, il évolue au niveau de l'Atalanta Bergame en Youth League. Kondas Fiogbe marque les esprits en UEFA Youth League puisque lui, il a marqué le deuxième but de son club au moment où il emportait 4-1. Donc les jeunes Bergamas l'ont emporté face à leurs homologues des Gunners d'Arsenal. Alors du Bénin, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire avec Sport Côte d'Ivoire CI qui nous donne cette information. Salomon Kalou, administrateur et joueur du Sporting Club de Gagnoa. Désormais membre du board du Sporting Club de Gagnoa, Salomon Kalou a évoqué la possibilité de rechausser les crampons pour la première fois de sa carrière, participer au championnat de Côte d'Ivoire. Alors, l'information est bien précise. Et bien oui, avec un ajout, je vais prendre une licence pour faire partie de l'effectif de Bernard Cazoni et peut-être qu'en Coupe Nationale, si le Sporting Club de Gagnoa croise la SEC Mimosa ou l'Africa Sport d'Abidjan, je participerai au match en tant que joueur, a-t-il confié, voilà encore une belle fois, qui va permettre à Salomon Kalou de reformer ce duo-là avec Alexandre Song où ils avaient joué à Arta Solar 7 avec Alain Traoré qui également a débarqué au niveau de la Ligue 2 ivoirienne. Au Togo, l'équipe sportive avec Odouane Hervé Akapo, sans oublier le DP. Ah oui, aimez le bon, respect à vous, chef. Mercato Tchatakora Semioufil en Éthiopie. Lui, il quitte la République démocratique du Congo, l'ancien de l'ASK de la région de la Kara. L'attaquant international togolais Semio va s'engager avec Saint-Georges en Éthiopie, l'ancien club d'un autre togolais. Il s'agit justement de Ouroago Ismaïla. Après un passage éclair au FC Saint-Éloi Loupopo de la RDC, l'ex-sociétaire de l'ASK va signer un contrat de 2 ans avec les Cavaliers. Donc, Tchatakora Semioufil a atterri hier en Éthiopie. Toujours au Togo avec Sport Culture News de Romuald Hedidi Mahaya, éliminatoire CHAN 2024, le Togo en stage. Voici les joueurs convoqués. Alors, on a dévoilé la liste des joueurs. Polémique avec le meilleur buteur du championnat de D1 qui n'est pas appelé. Par contre, il y a le deuxième buteur. On va dire le meilleur buteur de la deuxième division dans l'antichambre du football togolais. Il s'agit d'Ameouda Kofiche qui est appelé également en sélection par Koubadia Kader qui n'a pas oublié de faire un clin d'œil aux anciens, aux habituels de cette sélection locale pour préparer le championnat d'Afrique des Nations, notamment Denis Abalo également qui fait partie de l'effectif. On n'oubliera pas les Amekoudi et autres. Oui, un joli cocktail. Malheureusement, vous savez que comme toutes les listes d'habitude du monde entier, il y a toujours polémique et quand vous n'appelez pas le meilleur buteur du championnat, et peut-être qu'il va donner ses raisons par rapport à cette absence du meilleur buteur Bruno Avotor en prêt de la Scotcara à l'AS OTR. Toujours au Togo, foot.tg également revient sur les préliminaires de la Ligue des Champions CAF. Nous sommes prêts pour la qualification. Madjedje Djalilou, le capitaine, en tout cas l'un des cadres de l'équipe des Condonats de Cara, bah oui, on va dire Asco du Togo, qui a un gros rendez-vous pour renverser la tendance puisqu'ils ont été défaits 1-0 au Mali au stade du 26 mars face au Djoliba AC qui va effectuer ce déplacement à Lomé. Donc oui, il se dit confiant, l'état d'esprit du groupe est positif, nous savons l'enjeu qui est dans ce match, on est tous positifs, donc nous sommes prêts pour la qualification. Ce sera dimanche après-midi et l'entrée au stade de Kégué libre et gratuite.
FootRDC.com, nous sommes, vous l'aurez compris, tout simplement CAF LDC. En 2012, on a été disqualifié pour pas grand-chose, pour ne pas prendre de risques. J'ai gardé le même groupe, Lamine Ndiaye, le coach justement du tout-puissant Mazembe, qui a remporté la manche aller, deux buts à zéro face à ses adversaires justement de la Zambie. Bah oui, il s'agit de cette formation. Allez, je vais retrouver rapidement ce nom, va me revenir, mais ce sont des Zambiens. Alors, les Corbeaux sont déterminés pour voir... Red Arrows, j'y arrive finalement, Red Arrows, qui sont là justement pour essayer de déranger le tout-puissant Mazembe, mais le coach Lamine Ndiaye a gardé son effectif et n'a pas voulu faire d'ajout pour le match retour qui va se disputer à domicile. Mais attention, parce qu'en face, il y a un adversaire qui ne veut rien lâcher, selon Kalililo Kakonje, en conférence de presse. Il dit oui, on a perdu le match aller de but à zéro, mais le score final n'a pas reflété le match, et c'est ce qui arrive dans les grands matchs. On a joué contre une équipe qui est entraînée par l'un des grands entraîneurs africains, mais cela n'empêche pas qu'on soit venu ici à Kamalondo pour chercher un bon résultat et pourquoi pas la qualification. Alors toujours CAF avec le Mali, justement Mali, match Mali, bimensuel malien des sports, coupe CAF, deuxième tour, le Stade malien décroche sa qualification. Le Stade malien justement a validé sa qualification pour la phase de poule, 3 buts à 1 à domicile face à Paynesville FC du Libéria, qui avait gagné la manche aller 1 but à zéro. Et donc oui, sixième qualification du Stade malien de Bamako pour la phase de poule de la Coupe CAF. 2009, vainqueur du trophée 2012-2013, demi-finaliste 2015-2023, quart de finaliste et 2024. Bah oui, toujours Coupe CAF, bah oui, la Renaissance Sportive Berkane qualifiée pour la phase de groupe. Information de nos confrères du 360 de Sport, nous sommes au Maroc, vous l'aurez compris, 5 buts à zéro face à Dadje FC du Bénin, qui n'a vu que du feu à domicile, tout simplement. David, c'était hier vendredi au municipal de Berkane. Malheureusement, ils n'ont rien compris. 5 buts à 0. Alors, toujours Coupe CAF. Ah oui, le héros, c'était lui, Zegba. Zegba qui a écœuré ses adversaires des Z-Foot. On parle CAF, justement, le CR Belouizdad en poule grâce à Zegba. C'est dans la difficulté que le CR Belouizdad a assuré sa qualification en phase de poule de la Champions League face à l'AS Douane, un adversaire coriace. Et donc, le Chabab devait s'imposer par 2 buts d'écart pour se qualifier. Donc les choses avaient pourtant bien commencé pour eux. Et bah oui, la décision se fera au tir au but, et le capitaine Bengui rate la première tentative. Les Algériens vont courir après le score et finalement Mustapha Zegba va se déployer par 2 fois de suite pour détourner les 2 dernières tentatives des Burkinabés, ce qui permettra justement, après séance des tirs au but, à cette formation du CR Belouizdad de se qualifier pour la phase de groupe. Alors pour Africa Top Sport, le programme de cette journée de ce samedi: TP Mazembe, Red Arrows, Atlético de Petroleros de l'Angola face à l'AS Maniema Union, à l'Arkli FC au révélateur de Gore, Maya, Mamelodi Sundowns, Mbabouane, Swallows, Orlando Pirates, sans oublier Dwaneng Galaxy, Young Africans face au CBI, on n'oubliera pas Espérance Tunis, Decada, Pyramids FC contre APR, et puis Raja Casablanca, FC Samartex 1996 du Ghana, MCAG Union Monastir, CapFoot avec Samuel Eto'o et Alexandre Song qui s'invitent maintenant dans la Guerre, Mincep, fait CapFoot hier sur les antennes de Calan Plus. Il a été scruté par nos confrères de CapFoot qui ont repris ses propos. Alex Song, dans le vestiaire, c'est l'entraîneur, le patron, invité de l'émission J+1 ou bien J-1 sur Canal Plus Sport. Et bien oui, Alex Song, ex-footballeur professionnel aguerri, a corroboré les propos de l'ex-interiste Samuel Eto'o, bien évidemment. Dans le vestiaire, c'est l'entraîneur, le patron, et là, il a raison à 250%. Samuel Eto'o a du caractère, Marc Brice aussi a démontré qu'il avait du caractère. Et à un moment, il faudra que chacun mette de l'eau dans son vin. Bah oui, les propos également d'Alexandre Song ont été repris également par nos confrères des www.afriksport.net. Cameroun, Alexandre Song balance sur Samuel Eto'o et Marc Brice. Je suis la sélection au Cameroun de loin. Je n'ai pas une vision claire de ce qui se passe. Bah oui, il y a 2 versions de l'histoire et donc ceux qui sont à l'intérieur de l'équipe sont les mieux placés pour juger. Donc il n'a pas trop voulu se mouiller sur le sujet. Les amis, vos avis en commentaire, vous les partagez avec nous. En Angleterre, les journaux britanniques reviennent sur ce choc qui arrive à grands pas. Oui, le choc
le véritable choc, le poids lourd, le choc des poids lourds entre les Gunners d'Arsenal et puis Manchester City. Bah oui, ce sera dimanche. Strike back. Oui, nous sommes de retour. Les attaquants doivent tout faire maintenant pour pouvoir marquer puisqu'ils étaient en panne face à l'Internationale en Ligue des Champions. Des Sunspurs en parle à ça. Une Mirror Sport a repris l'information. Smelling blood. Oui, ça sent du sang. Ça sent du sang ce choc là. Star Sport reste dans cette logique. Strike force. Mais la force des attaquants parce que Pep Guardiola en a besoin et il soutient tous ses attaquants. We need strikers. On a besoin des attaquants parce qu'Erling Haaland, oui, Haaland n'a pu marquer son 100e but en Ligue des Champions face à l'Internationale. Et à côté, Arteta tells Arsenal, it's time to go big et at City. Il est temps d'aller grandir à Manchester City et il est important. À la une du Daily Telegraph également, Daily Telegraph Sport, bah, le match est mis en avant. Clash of the heavyweight. Oui, le clash des poids lourds. Manchester City face à Arsenal dimanche justement. À suivre en clair. Rashford, warning. Bah oui, Marcus Rashford de Manchester United revient en force puisqu'il a été encore une fois buteur. Ilkay Gundogan exclusif et entretien exclusif pour le journal le Daily Mail où il revient justement sur son parcours à Manchester City sans oublier le court passage au niveau du FC Barcelone. En Italie, la Gazzetta dello Sport annonce encore un véritable choc ou soit des retrouvailles entre le Napoli et la Juventus des Turins. Il compte Torna. Oui, le compte à rebours recommence maintenant avec Antonio Conte qui va retrouver son ancien club, on va dire la Juventus de Turin. 5 stelle, 5 étoiles avec cette affiche-là. Juve-Napoli selon le Corriere della Sport qui est très attendu avec Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku. Sans oublier le coach Antonio Conte qui sera scruté tout au long de cette rencontre. Le Quotidiano Sportivo également reste dans cette logique. Subito prividi da Scudetto. Et maintenant, subitement, on reprend avec les matchs qui vont compter pour le titre à la fin de la saison, le Scudetto. C'était la une également de Tutto Sport. Toro Primo, bah oui, ici avec le Torino qui l'a emporté 3-2 face au Hellas Vérone. Yıldız qui est très attendu, Yıldız et Samet Adiyez. L'examen de Yıldız, le Turc, qui va être scruté également au cours de cette rencontre en France. Éclaboussé, dépité, dépassé par les événements, cette équipe de la Saint-Étienne n'a vu que du feu. Ah oui, le Figaro Sport reprend l'information pour fêter leurs 120 ans. Bah, 120 ans, les Aiglons niçois s'offrent un carton historique et humilient Saint-Etienne. 8 buts à 0 et c'est à la une de l'équipe qui dit ceci. 8-0, c'est cadeau. Auteur de 6 buts entre-temps, ou bien en 30 minutes, et bien oui, en 39 minutes, du jamais vu. Depuis 1997, les Niçois ont fait couler la Saint-Etienne et fêtent dignement le 120e anniversaire du club. C'est tout simplement incroyable que la SC Étienne perde comme ça à domicile ou bien en déplacement. Alors, Marca, nous sommes en Espagne, c'est là. Vous le savez que nous allons terminer avec Somos, une équipe de rock'n'roll. Nous sommes une équipe de rock'n'roll. Et bien oui, pour se détendre, nous écoutons du rock'n'roll. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, repris par Marca. Et bien oui, les mêmes propos également pour As, pour dire « Nuestra afición es de rock'n'roll ». Alors, notre décompression, c'est d'écouter le rock'n'roll pour décompresser un tout petit peu avec cette réception au Santiago Bernabéu de l'Espagnol Barcelone. L'équipe qui a fait l'aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en Espagne. Bah, ce sera à 19h aujourd'hui même à suivre avec attention toute particulière. Et en Espagne, au Barça plutôt, le Mundo Deportivo revient sur la confiance du FC Barcelone après la défaite. Ouais, un tout petit peu bizarroïde face à l'AS Monaco. Normalement, ça devrait marcher, mais il y avait une très bonne équipe de l'AS Monaco en face. Mais là, Hans Dieter Flick reprend tous les journalistes et les fans pour leur dire « Confianza intacta ». La confiance est intacte pour le FC Barcelone, pour la suite du championnat. Et ils seront très attendus, le FC Barcelone. Et bah oui, lui, c'est lui qu'on attend véritablement. Ansu Fati, Esperanza Ansu. Oui, avec son apparition à Monaco pour ses débuts de campagne en Ligue Européenne des Champions, Hans Dieter Flick pense à donner de plus en plus de temps de jeu. C'est en bas là, ne me demandez pas de le lire en espagnol parce que ça serait une catastrophe. Bah oui, va donner plus de temps de jeu à Ansu Fati, bah oui, qui crée de l'émulation au niveau des supporters et on espère vivement qu'Ansu Fati pourra véritablement s'imposer et qu'on pourra le voir dans son plein potentiel.